En larmes, citoyens, formez la rébellion. Eh, c'est quant à vous. C'est beaucoup de dire cette carrière. Il y a tellement de choses à dire. J'ai lu le livre avec attention, parce qu'Alain le sait depuis quelques années, j'adore liser. J'aime liser, c'est un goût qui m'est venu, j'ai cette passion de liser. Donc, tous les matins, ça me branche. Troisième mission est sortie. À 7h, j'ouvre mon courrier, tiens, oh, une convocation chez le juge. C'est important de savoir liser pour comprendre quoi qu'ils disent. Bien sûr. Cher Alain, tout le monde le sait, tu es maire de Bordeaux. Ça, c'est au bon vœu, je crois. Non, ça, c'est au pénitemble. Enfin, je sais pas. C'est la 3. C'est comme un bon vin. Il a de la bouteille, de l'expérience. Il se bonifie en vieillissant. Il est calme en pleine forme. Et puis, on boit ses paroles quand il parle. Mais à la fin, il ne saoule pas. Sauf quand il parle un peu technique, ça peut faire un peu mal à la tête quand même. Mais alors, j'ai lu attentivement ton bouquin. Ça parle beaucoup de sucreries. Les bouchons au chocolat, les croquants, les cannelés de Bordeaux. Alors moi, je suis pas trop sucre, plutôt salé. J'aime bien les trucs salés, bien salés, comme une facture de Big Malion. Oh putain, ça c'était salé. Hein. Alors, c'est une bonne introduction. Il faut quand même expliquer que vous êtes landais pur laine. Oui, dites-moi. Je rigole parce que Nicolas Sarkozy ne boit pas du tout de vin. Pas une goutte d'alcool. Tu vois, tu m'as pas vu dans toutes les soirées. Vous êtes, je le disais quand même, Alain, vous êtes landais pur laine, pour ceux qui ne le savent pas, vous écrivez le dictionnaire amoureux de Bordeaux. Le seul truc qui me plaît à la télé, le reste, c'est bon, c'est de la merde, je dirais. Je travaille à Bordeaux, c'est d'abord une ville belle, c'est bon, l'a inventé, naturellement, à même 2000 ans d'âge, ou presque. Tu vas faire ton saint, toi, ton saint Alain. Ses façades sont blondes, et puis surtout, on l'a dynamisé. Puis j'aime bien les gens de Bordeaux, ce sont des gens accueillants, poète. Pas tout à fait méridionaux, ils sont... partage entre l'influence du Saint-Juppé pendant 3 siècles, ouais. Vous rendez compte, il n'y a qu'à l'écrire, hein. Et puis en même temps le sud quand même, parce que voilà, on est un peu latin, donc là, c'est une ville que j'aime et dans laquelle je me sens tout à fait épanoui. Vous en parlez d'ailleurs d'Aliénor d'Aquitaine, juste parmi tous les mandats que vous avez exercés, est-ce que la mairie de Bordeaux c'est votre préférée finalement? Oui, il y a d'autres mairies qui sont en général. Du Saint-Juppé à Cantalou, il manque des trucs. Plus avantage, d'abord on est aux montagnes des gens, et puis surtout quand on veut faire des choses, on en voit le résultat. Le gouvernement, c'est un peu différent. Hein. On fait voter des lois qui sont en général jamais appliquées, tandis que quand on se décide de faire on t'écoute. École, crèche, même un pont, eh bien, dans une ville, on y arrive. C'est ça qui est très gratifiant. Alors, bon, parlons de mairie. Monsieur Bollon, vous aussi, c'est votre mandat préféré à la mairie de Lyon. Hein. Oui, d'ailleurs, au congrès des maires de France, nous sommes tous les deux avec Alain les plus fêtards. Moi aussi, j'ai écrit un dictionnaire amoureux. Avec, mais plus un dictionnaire amoureux de mon généraliste, la lettre A comme arthrite, B comme bronchite, C comme courbature, D comme douleur, E comme EHPAD, F comme fatigue. Tout de suite, c'est le meilleur de Nicolas en vidéo, et on revient avec Monsieur Juppé. Voici le mémoire du Saint-Juppé à Cantalou. Alors voilà. L'homme qui m'a sauvé la droite mieux que moi, tellement qu'il est mieux que moi. Laurent Wauquiez a un discours mesuré tellement qu'il est républicain. Et que tu t'appelles Saïd ou Mohamed, j'en ai rien à foutre, à la cantine, tu finis ton jambon. Ah, ça c'est bien raciste. Alors, goûtons cette cantine. Et un steak à l'aile. Oh putain, c'est toi qui m'as fait bouffer du halal. C'est pas vrai. Eh ben sors dehors si t'es un homme. Mais attendez monsieur Wauquiez, il était pas bon ce steak? T'attends la sortie. Si, ça a le même goût qu'un steak normal, mais c'est pas la question, ok? C'est juste qu'en France, on n'est pas des Arabes, voilà. Élégant et généreux, Laurent Wauquiez met toujours ses équipes en avant. Allez, dégage, laisse-moi le vent. Dégage. Le fouston en rue. C'est moi sur la photo. En larmes, citoyens. Laurent Wauquiez a été... Formez la rébellion. Pas du tout votre rébellion. Il vit toujours d'ailleurs. Formez les bataillons. Bref, il vit en cave. Dans un trou, c'est vous dire s'il a réussi dans la vie. Vous avez vu, j'ai fait la couverture de l'Express. Eh oui, il a réussi dans la vie. Mais Laurent Wauquiez n'est pas qu'un bourreau de travail. Il est aussi artiste. C'est bon. Ou à 15, quand il a fini. Attends, j'ai fait une belle assiette. Bon, moi, je vais manger après. Et j'ai fait ça en même temps que tout. J'aime bien... J'ai envoyé mission 3. Je fais, on sait pas trop. La droite est
promis un bel avenir. Allez, salut les cons qui n'ont pas voulu de moi. Et je continue à écrire sans regarder. Et si vous nous retrouvez dans 50 jours, on est en compagnie d'Alain Juppé. Alain, vous avez écrit le dictionnaire amoureux de Bordeaux. Justement. Invitez-moi, je vais vous parler, moi. TF1. Bon, on a fait beaucoup de choses. D'abord, je n'ai pas agi tout seul. Hein. C'est un travail d'équipe, un travail collectif. Pas besoin de cravate, moi. Depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Mais je le dis dans mon dictionnaire, le plus beau compliment qui m'ait été fait par un Bordelais, c'est un peu le suivant. Est-ce que vous avez changé le plus à Bordeaux? Le Bordeaux, c'est bon. Le Seigneur a dit, buvez, c'est mon sang. C'est le mental des Bordelais qui est un peu complexé. Toulouse était la ville dynamique il y a 25 ans. Aujourd'hui, on a perdu le complexe et on est fiers d'être Bordelais. On reçoit beaucoup de touristes, d'ailleurs. Cravate rouge, ça va pas. Alors, je crois que Anne Hidalgo, en face de vous, voulait réagir, justement. Oui, bonjour, bonjour, monsieur Juppé, bonjour, chère Sandra, bonjour à tous les Parisiens, à toutes les Parisiennes qui n'ont pas encore vendu leur chambre de bonne pour emménager dans une villa avec piscine à Bordeaux. Mais nous sommes tout de même complémentaires. Nous devrions jumeler nos villes, puisque vous, à Bordeaux, vous occupez des bouteilles, et moi, à Paris, je me charge des bouchons. Oh, c'est fort. Ça, c'est pas mal, ça. Je me charge des bouchons. À Bordeaux, tu fais les bouteilles. Non, c'est cool. 07, 07, 40. Moi, c'était bien. Toujours dans la prophétie du jour. Non, non, c'était bien. Le deuxième jour, le 2 novembre, qui est le cinquième du 49-81. Non, non, c'était balèze. Non, c'était bien. Moi, j'envoie mes prophéties, là, j'ai compris un beignet, mais c'est pas grave, ça va pas tarder.